Bonsoir et bienvenue sur Le Front, votre nouvelle émission d'exploration du monde. Nous allons parcourir la planète tout au long de l'année pour vous emmener sur les lignes de front de l'environnement, là où des femmes et des hommes se battent et ont décidé de consacrer leur vie à protéger ce qui risque de disparaître. Nous sommes ici dans un site exceptionnel, l'archipel des White Sundays en Australie. La grande barrière de corail est juste ici, car le premier numéro ce soir est consacré aux océans. Ils recouvrent 70% de la surface du globe, ils nous permettent de respirer, ils régulent notre climat et il s'agit du plus grand réservoir de vie sur cette planète. Nous en savons assez peu finalement sur les océans, la plupart de leurs trésors restent à ce jour mystérieux. Ce que nous savons en revanche, c'est le mal que nous leur faisons. Il n'est pas trop tard pour sauver ce monde sous-marin et ses merveilles, mais c'est maintenant que la bataille doit se mener. On part ensemble ce soir sur le front des océans. Les braconniers jettent des pierres sur le bateau. Ces images de guerre viennent du Mexique. Un Français y risque sa vie. C'est une lance à eau ou c'est une mitraillette? Mitraillette? Pour combattre des organisations criminelles qui détruisent un écosystème unique au monde. On est un gilet pare-balles pour les vaquitas. On n'a pas le droit de les abandonner, on n'a pas le droit de les laisser tomber. C'est ça la cocaïne de la mer. Dans la même région, vous verrez aussi que la vie peut reprendre de manière phénoménale quand les milieux marins sont protégés à temps. Ah, il y a des requins là. En Australie, c'est un projet industriel insensé qui s'apprête à sortir de terre. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. L'argent. La grande barrière de corail, le joyau des océans, déjà menacé par le réchauffement de la planète, doit faire face à la construction d'une méga mine de charbon, l'une des plus grosses de l'histoire. Je lui dirais, vous, sur votre lit de mort, vous aurez le sang de la grande barrière de corail sur vos mains. Nous serons aux côtés des combattants qui s'opposent de toute leur force à ce désastre imminent. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Nous partirons également en Méditerranée, sur nos côtes. Cette mer au bleu unique, qui fait rêver les touristes, ah, elle est là, est aujourd'hui la mer la plus polluée du monde par le plastique. Aucun animal n'échappe à ce fléau. Je trouve que nous sommes la génération de la honte. Il faut agir vite. Rencontre avec les sentinelles de la Méditerranée, mais aussi plonger en eau profonde avec Guillaume Néry, l'homme des océans. Aujourd'hui, on peut plus voiler la face, on peut pas fermer les yeux sur la réalité. Les océans sont en train de se vider de manière dramatique. Il faut prendre le problème à bras-le-corps. Il y a urgence. Mais ce soir, vous découvrirez que des solutions existent et qu'aux quatre coins du monde, des gens se battent tous les jours pour protéger la vie marine. Mon rêve, c'est de laisser une empreinte sur la planète, pas une cicatrice. Delphine, Benjamin, Denis, Lindsay ou John ont fait de leur vie un combat pour préserver notre trésor. La bataille pour sauver les océans a commencé. Notre enquête commence au Mexique, dans un paradis perdu. L'une des plus belles mers du monde est en danger. Une espèce de mammifère marin est sur le point de disparaître. C'est une question de semaines, de jours peut-être. Voici la ligne de front où se joue une bataille navale pour sauver un écosystème à bout de souffle. La Basse-Californie, vaste péninsule à l'ouest du Mexique. Entre cette langue de terre aride et le continent, se trouve la mer de Cortés. Des moments difficiles m'y attendent, mais je ne le sais pas encore. Ces paysages somptueux sont en apparence paisibles. C'est fou les couches de roches, c'est hallucinant. Le commandant Cousteau avait surnommé cet endroit l'aquarium du monde, car on y trouve une incroyable diversité de vie marine. Cette mer compte plus de 80 espèces de poissons endémiques. Ils n'existent nulle part ailleurs sur la planète. L'eau, très riche en nutriments charriés par le fleuve Colorado, crée des conditions d'existence uniques. Et comme un cadeau de bienvenue, certains résidents nous offrent un spectacle intrigant.
On est en train d'assister à un phénomène assez unique. C'est le saut des raies Mobula. Elles se propulsent jusqu'à 2 mètres au-dessus de la surface. Pour des raisons assez mystérieuses, en fait, les scientifiques ne savent pas trop pourquoi elles font ça. C'est peut-être pour échapper à un prédateur, pour jouer ou pour communiquer. Mais en tout cas, c'est incroyable à regarder. Ce qui est hallucinant, c'est qu'elles font des figures, quoi. Elles font des saltos. Je prends mes marques dans cet environnement exceptionnel. Avant de rejoindre les combattants avec qui j'ai rendez-vous, nous faisons une pause autour des plus beaux îlots. On vient d'arriver devant une petite île qui s'appelle Los Islotes, et si on est venu, c'est pour une raison bien particulière, c'est parce qu'ici habite la plus grande colonie d'otaries de la Basse-Californie du Sud, entre 300 et 450 individus. Il nous faut un guide pour plonger. Partir à la rencontre des otaries. Bienvenue les amis à Los Islotes. Ne se fait pas sur un coup de tête. Là, on est tout proche de la période de reproduction. Exactement. Et en fait, ici, des fois, les mâles sont un peu agressifs. On a eu malheureusement des attaques. Donc, qu'est-ce qu'il ne faut pas que je fasse si je me retrouve avec une otarie en face de moi? Il faut que tu essayes de tourner un petit peu avec lui. Il va essayer de jouer avec ta cagoule, ton masque et tes palmes, c'est sûr. D'accord. C'est sûr. Mais il ne va pas les casser? Pas le casser, mais il peut l'enlever. Ah bon, ok, ouais, super, ouais, c'est rassurant. Ok, ça marche. Ouais. Et ben allons-y alors. Ouais. Waouh. Cette petite île, elle est ultra protégée, on n'a même pas le droit de poser un pied dessus, c'est ça? C'est impossible, c'est complètement interdit. C'est interdit de pêcher ici. La pêche au filet, c'est le problème qu'on a ici. Parce que, par exemple, il y a des pêcheurs qui, malheureusement, ils utilisent des filets de pêche énormes et ils attrapent tout, quoi. Tout, soit requins, des otaries, tout. Voilà pourquoi nous sommes ici. Derrière ces paysages à couper le souffle, à l'abri des regards, l'aquarium du monde se transforme petit à petit en tombeau. Des braconniers embauchés par les cartels de la drogue sont prêts à tout pour attraper un poisson qui vaut de l'or, le totoaba. Nous irons à leur rencontre dans quelques jours. Ce qui nous intéresse pour le moment, ce sont les dégâts qu'ils causent. Ces baleines piégées. Ces requins et ces dauphins asphyxiés. La mer de Cortés est quadrillée par les filets de pêche. Ce labyrinthe mortel ne laisse aucune chance aux animaux marins. Et en particulier à l'un d'entre eux, le vaquita,
le marsouin du Pacifique, qui vit uniquement ici, dans la mer de Cortés. Voici les seules images récentes où on l'aperçoit. Un passage furtif, une tête passée hors de l'eau quelques secondes et photographiée à distance. En fait, pour savoir à quoi ressemblent vraiment les vaquitas, il n'y a que les photos de leurs cadavres pris dans les filets. Nous, on préfère vous faire un dessin et retenir ce visage rieur, très particulier, comme un panda des mers. Les vaquitas étaient encore 500 il y a 20 ans. Aujourd'hui, il n'en resterait que 22 dans le meilleur des cas, 6 dans le pire des scénarios. Seront-ils bientôt des fantômes ? Une organisation a décidé de se battre pour les sauver. On est en route vers le Sharpie, c'est l'un des deux bateaux de Sea Shepherd mobilisés ici dans le golfe de Californie. On va passer plusieurs jours à bord et le nom de l'opération, c'est Milagro. En espagnol, ça veut dire miracle. Salut Ben. Salut Hugo, bienvenue à bord de Sharpie, ça fait plaisir que tu sois là. Avec leur look de pirates, les navires de l'association Sea Shepherd sillonnent les mers du monde entier. Je m'appelle Benjamin, j'ai 32 ans et je suis engagé avec Sea Shepherd pour protéger les vaquitas. Benjamin vivait à Marseille. Take it off and come back. Il a décidé de tout plaquer pour venir ici il y a un an et demi. Ce bateau est devenu sa maison et l'équipage international, sa famille. C'est plutôt calme. Alors ici, on est sur la passerelle. C'est ici qu'on pilote le bateau, qu'on trouve les filets et qu'on manœuvre pour les remonter. White Holly, Sharpie. C'est une guerre de chaque instant entre Sea Shepherd et les braconniers. On est les seuls sur la ligne de front ici. Et si on perd cette bataille, le vaquita va disparaître définitivement. Ce sera terminé. On est les seules personnes ici. Le seul espoir pour cette espèce, c'est ce bateau. La mission de Sea Shepherd est très simple. Retirer le plus de filets possible pour que les derniers vaquitas ne s'y retrouvent pas piégés. Ce qui arrive encore trop souvent. 3 semaines avant notre arrivée... C'est pas un dauphin. L'équipage a subi un gros coup dur. Ça pourrait être un vaquita. Quand on sait qu'il reste entre 6 et 22 vaquitas, selon les estimations des scientifiques, j'imagine que chaque vaquitas mort qu'on trouve, c'est un drame en soi. Oui, trouver le corps d'un vaquita. En plus, ici c'était une femelle, une jeune femelle en âge de se reproduire. Donc c'est encore plus dramatique parce qu'elle aurait pu devenir mère. En la voyant, immédiatement je lui ai fait une promesse. On va continuer jusqu'au bout. Même s'il n'en reste plus qu'un parmi vous, on est là pour vous sauver de l'extinction. Personne ne s'est mis à pleurer, on n'a plus le temps pour ça. On n'a plus le temps de ressentir de la pitié pour cette espèce. Il faut se battre et continuer à retirer tous ces filets. Empêcher que ce genre de choses ne se reproduisent encore et encore. Et c'est sur ça qu'on doit se concentrer. Pour garder espoir, Ben, Eva et les autres utilisent une méthode inspirée de la médecine. Comme un docteur avec son stéthoscope, ils écoutent la mer à la recherche d'un signe de vie. On se prépare à déployer un hydrophone. C'est un outil pour enregistrer les sons sous-marins. Ce qu'on recherche, nous, c'est des sons de vaquita, afin de prouver qu'ils sont toujours là. Vous avez déjà entendu un son de vaquita ? Oui, et c'est vraiment incroyable. Ce sont des clics à très haute fréquence. Ils l'utilisent pour naviguer, pour trouver de la nourriture, pour se retrouver les uns les autres. Donc c'est un son très spécial. La zone de protection des vaquitas est minuscule. On la distingue à peine sur une carte maritime. Aussi petite soit-elle, les braconniers ne la respectent pas.
Ici, on est au cœur d'un espace protégé, classé au patrimoine mondial de l'humanité. À l'intérieur de cette zone, aucune pêche n'est autorisée. Mais là, il y a des types qui arrivent et qui commencent à pêcher malgré tout. S'ils veulent pêcher, ils doivent aller dans la zone où c'est légal. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déplacer leur filet. S'ils viennent nous parler, on leur dira de partir. S'ils ne viennent pas ou s'ils nous ignorent, on retirera leur filet de l'océan. On le retire, on le détruit, on le recycle. Nous sommes là pour surveiller cette zone. Ici, on est dans le refuge des vaquitas. Donc, est-ce qu'on peut vous demander d'enlever vos filets et de les déplacer, s'il vous plaît? Vous voulez qu'on les déplace où? À 2 km dans cette direction. Nick, t'as vu leur ancre? C'est pour attacher une ligne d'hameçon. Ah, c'est ça, c'est sûr. Ne restez pas dans cette zone et faites passer le message à vos collègues aussi. Les échanges ne sont pas toujours aussi calmes. Alors le bateau est protégé par l'armée. Le gouvernement mexicain a envoyé ses soldats, car la situation peut très vite dégénérer. Sur ces images, des dizaines d'embarcations de pêcheurs mexicains, refusant de remonter leurs filets, attaquent un bateau de Sea Shepherd. Les braconniers jettent des pierres sur le bateau. Lance à eau pour se défendre. Contre jets de pierre et cocktail Molotov qui s'enflamme sur le pont. Tout est bon pour essayer de faire déguerpir les protecteurs des vaquitas. Une bataille navale qui oblige parfois les militaires à montrer les muscles pour protéger la vie des militants. Ne restez pas là, c'est interdit. Ah, ils ont des poissons dans leur filet, là. C'est quoi qu'ils ont? C'est une lance à eau sur le... ou c'est une mitraillette? Mitraillette? Leur mission est intense, alors les soldats sont relevés tous les 3 jours. Ça paraît complètement dingue, autant de militaires, autant de soldats, autant de gendarmes, avec des flingues pour protéger une espèce de cétacé, quoi. T'as peur pour ta vie, des fois, sur cette mission? Ouais. Les gens en face sont en guerre pour faire de l'argent. Dans le monde, chaque année, il y a entre 200 et 300 défenseurs de l'environnement qui sont tués, assassinés. On n'a pas envie d'être l'un d'entre eux. Les gens d'en face, comme il dit, ce ne sont pas de simples pêcheurs. S'ils sont si violents, c'est parce qu'ils travaillent en réalité pour des organisations criminelles très puissantes, les cartels de la drogue mexicains. Ils s'aventurent dans les réserves maritimes pour attraper le totoaba, ce poisson qu'on ne trouve qu'ici et dont la vessie vaut une fortune sur le marché noir asiatique. Certains consommateurs sont prêts à débourser jusqu'à 50 000 euros pour se procurer cet organe aux prétendues vertus aphrodisiaques. À poids égal, la vessie de totoaba se vend plus cher que l'or ou la drogue, d'où son surnom, la cocaïne de la mer. C'est lui que les cartels visent avec leurs filets. Le vaquita n'est qu'une victime collatérale. C'est ce qu'on appelle le bycatch, ou prise accessoire. Les filets des braconniers ne font pas dans le détail. Ils n'attrapent pas seulement le totoaba. Dauphins, requins, tortues, tout y passe. Y compris le vaquita. Le bycatch concerne les océans du monde entier et la plupart des bateaux de pêche. 4 poissons sur 10 capturés dans le monde le seraient de manière accidentelle, selon le WWF. Cela représente des dizaines de milliards d'animaux morts chaque année. Pour rien. Hey, Nick, c'est Jack. Salut Jack. Écoute, on a beaucoup de pangas autour de nous.
Donc l'ordre, c'est de continuer à patrouiller, à marquer la position de chaque filet. On attend les navires de l'armée et on passe à l'action. Ok, merci. Donc là, sur le radar, on voit ici les limites de la zone critique. Et tous ces points-là, ce sont des pangas, des bateaux de pêche. Ça arrive souvent d'en voir autant concentrés ici? Non, c'est très rare. C'est un vrai labyrinthe. Pour les poissons? Pour tout ce qui vit là, c'est comme si on avait des murs de partout, sauf que tu peux pas voir les murs. Ils sont en train de tirer quelque chose. C'est un filet. Je viens de le voir avec le radar. J'appelle l'armée. Le bateau intercepteur, il arrive ou quoi? Les pêcheurs mettent un nouveau filet à l'eau, sous nos yeux, en plein dans la réserve des Vaquitas. On peut vous parler un instant, s'il vous plaît? Là, ils font un peu semblant de pas nous entendre. Et comme ils ont des cagoules pour dissimuler leur visage, c'est probablement des pêcheurs illégaux. À peu près à 3 km à l'intérieur du sanctuaire. Ils sont en train de travailler sur un filet. Très vite, ils repèrent le drone et essaient de le faire tomber. Ça y est, l'intercepteur de la marine mexicaine vient d'arriver. Et les pêcheurs sont encore en train de remonter les filets, donc ils sont un peu pris la main dans le sac, là. On est content quand la marine intervient. C'est une satisfaction pour l'équipage. Cette fois-ci, le filet a été retiré. Il n'a pas eu le temps de piéger de Vaquitas. Les membres de l'équipage se préparent maintenant à affronter la nuit. C'est le moment le plus critique dans leur combat. Et comme pour les encourager, la mère de Cortés offre un cadeau exceptionnel. Des centaines de dauphins entourent le bateau de Sea Shepherd. C'est ta récompense, ça? Toujours. Il n'y a aucun doute. C'est un endroit exceptionnel. Pas seulement pour les Vaquitas, mais pour tellement d'autres espèces. Il y a très peu d'endroits sur Terre où j'ai vu autant de dauphins. C'est un endroit incroyable pour la vie sauvage. Très spécial. De minuit à 1h du mat? Ils sont en train de tirer au sort les heures de garde. C'est quoi la pire heure, du coup? Là, il y en a deux. Ah ouais. 1 à 2, l'équivalent. Le mieux, c'est le 9-10. C'est qui a tiré le 1 à 2, là? Ils reprennent des forces pour affronter l'heure la plus dangereuse. Français, anglais, espagnols, mexicains, suédois, une quinzaine de personnes cohabitent à bord. Toutes et tous bénévoles. Ils sont simplement logés et nourris. Pas d'alcool à bord, c'est interdit. Que de l'eau. Ici, tous les repas sont véganes. Aucun produit d'origine animale. C'est bon? Ouais, pas mal. Pas mal. C'est bien la preuve ici que le régime végétalien et pas dangereux pour la santé, si c'est bien pensé. On a quand même un travail super physique, super intense la plupart du temps. On pourrait pas faire ça si on n'avait pas tous les apports dont on a besoin, nutritionnels. Eric, t'es vegan? Depuis que je travaille à Sea Shepherd. Okay. Et tu te sens bien? Ça va. Ce qui est dingue, c'est le contraste entre la beauté extérieure
et ce qui se passe sous l'eau. C'est fou de se dire que c'est aussi beau et que il y a un massacre en cours juste sous nos pieds là. L'obscurité est un atout pour les braconniers. Et une nouvelle menace pour les vaquitas. Ils viennent d'envoyer le drone pour survoler tous les bateaux de pêche qui sont dans la zone, qui sont pas du tout censés être là. Là, il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Habituellement, dans une mauvaise nuit, hein. Des braconniers, on n'en compte pas plus de 4 ou 5. Là, on voudrait voir la taille de la maille du filet. Je vais descendre vers eux, même si ça les embête. Ah ouais, ils nous ont repérés. Wow, ils nous jettent des trucs dessus. Ils sont en train de nous envoyer des objets ou des poissons sur le drone. Là, c'est très tendu parce que les pêcheurs sont pas du tout contents de nous voir ici. Ils veulent pas qu'on vienne les embêter pendant qu'ils pêchent illégalement la nuit. Et donc, certains d'entre eux se rapprochent de manière un peu agressive du bateau. Oh, il y a un autre panga qui nous arrive dessus. Ils viennent juste d'éteindre la lumière, là, non ? Les gars, préparez-vous. On lance l'alerte niveau 1. Les bateaux sont trop près. Bien reçu, on passe en niveau 1. Niveau 1, les gars. Il y a maintenant plusieurs embarcations autour du bateau. L'équipe redoute une attaque. Niveau 1 de sécurité, c'est on se tient prêt à défendre le bateau contre toute tentative d'agression, de monter à bord. On se tient prêt. Donc là, on est en alerte. Par prudence, tout l'équipage doit rester enfermé à l'intérieur en attendant de voir comment ça évolue. Ils sont plus ou moins en face de nous. Apparemment, ils font plus rien de mal. Je crois même qu'ils sont en train de s'éloigner un peu. Bien reçu, Jack. Je te préviens juste, il y a encore un filet, je pense. Alors que la menace s'éloigne, le sonar de Sea Shepherd repère un filet au fond de l'eau, dans la zone où se trouvaient les braconniers. Le grappin, s'il vous plaît. Tout est en position. Ben, remonte le grappin. Ici. Ok, encore 10 mètres. Come on. Allez, allez, un filet, s'il vous plaît. Il y a beaucoup de tension, de suspense même, parce qu'ils savent jamais ce qu'il y a au bout de la ligne quand ils commencent à retirer le filet. Hey, c'est un filet à Toto Abba. Ben, comment tu sais que c'est un filet à Toto Abba? C'est en fonction de la maille. La maille ici, elle est très, très grande, très large. Ok, unlock. Ok, libère. Le filet fait plus de 300 mètres de long. Ça, c'est sportif, hein? Combien par jour vous pouvez en faire pendant la haute saison? On peut aller, le record, c'était 14. Okay. On arrive à l'ancre. C'est quoi? Ah, c'est un crabe. Crabe à 1 mètre. Ok, when okay. The crab quand free, le crabe est libéré, on continue. Continuez de tirer. C'est interminable, ça fait plus d'une heure et quart qu'on est en train de sortir le filet de l'eau et c'est toujours pas terminé. Bravo tout le monde! Well done! Bon Hugo, ton premier filet? C'est fatigant. Ce filet, il a une maille, ici. Elle est grande. Qui est important. Si une partie du vaquita va venir à toucher cette partie-là ou à rentrer dedans, il va commencer à se débattre et il va s'emmêler dans le filet. Et ensuite, une fois qu'il est emmêlé, bah, il n'arrive plus à sortir.
Il est coincé au fond. Il est coincé au fond et il va se noyer. C'est à cause de ce type de matériel que les vaquitas sont sur le point de disparaître. C'est la raison principale. En une seule année, les équipes de Sea Shepherd ont retiré près de 500 filets. Avec de nombreux animaux piégés. Et heureusement, beaucoup de survivants. Comme cette baleine et cette tortue lutte. Sans ce travail acharné, les vaquitas auraient probablement déjà disparu. Tout ce qu'on trouve qui n'a pas lieu d'être dans l'eau, on le sort et c'est le résultat. C'est comme ça qu'on est payé, c'est en voyant tout ce qu'on a sorti de la mer et en pensant à tous les animaux qu'on a pu sauver. C'est ça notre victoire et c'est ça notre salaire. Ouais. Le moment est venu de quitter l'équipage. Been a pleasure. Thank you, Jack. Thank you. Merci, Ben. Merci d'être venu. Avec plaisir. Merci. Avec le sentiment que la cause des vaquitas n'est pas encore totalement perdue. Yes. Notre périple continue. Car à San Felipe, le village où vivent la plupart des braconniers, les cartels n'ont pas l'intention de plier face à Sea Shepherd. Ici, la traque illégale des totoabas fait vivre des centaines d'habitants. Excédés de voir leurs filets retirés de la mer, ils ont pris d'assaut le ministère de la Pêche, brûlant tout sur leur passage. Ça, c'était un bateau, ça. Un panga, un bateau de pêche. Comment une organisation criminelle en arrive-t-elle à détruire un écosystème ? J'ai voulu en savoir plus sur le business des totoabas. Hola ! Vous pêchez le totoaba ? Non. Pourquoi ? C'est interdit de le pêcher. On ne le fait pas et nous n'avons pas d'ennui. Vous pensez que les pêcheurs qui pêchent du totoaba, ils n'ont pas envie d'être filmés ? Bah oui, c'est normal. C'est comme la drogue, tout ça, comme la marijuana. T'as pas envie qu'on te voie. On cherche quelqu'un qui pêche du totoaba et qui serait d'accord pour qu'on l'accompagne. Oh non, on n'est pas là-dedans, nous. Nous, on ne fait que de la pêche pour le loisir. Nos totoaba ? Non, c'est dangereux. Personne ne t'emmènera. D'autant que récemment, quelqu'un a été tué, juste ici. Ok. Gracias. Adios. L'ombre des cartels plane sur San Felipe. Un ancien pêcheur va pourtant briser la loi du silence. Il ne supporte plus la guerre entre Sea Shepherd et les braconniers, qui perturbent la tranquillité de son village. Hola, buenos días. Hola. Bonjour, comment ça va ? Bien. Ça va et toi ? Bien. Vous avez déjà remonté un vaquita dans vos filets, c'est ça ? Oui, c'était avec un filet à crevettes. J'ai attrapé deux vaquitas. Il y en a un qui a survécu et l'autre, malheureusement, il est mort. Mais avant, on n'avait pas conscience du problème. C'était pas comme aujourd'hui. Je peux t'assurer que tous les pêcheurs de San Felipe, tous, on a déjà tué des vaquitas. Le problème maintenant, c'est totoaba. Celui qui le pêche est un délinquant. C'est quelqu'un qui ne respecte pas la vie, qui se fiche de la planète, de la jeunesse, des enfants.
À qui ça profite, ce trafic de Toto Abad ? Tout le monde s'enrichit. Moi, ce que je souhaite, c'est que la situation se normalise et qu'on en finisse avec toute cette violence. Le Vaquita n'est pas la seule victime des cartels. En mer de Cortés, la pêche illégale menace désormais l'existence du Toto Abad lui-même. L'espèce est aujourd'hui classée en danger critique d'extinction. Après plusieurs jours d'enquête, des braconniers acceptent, enfin, de nous emmener en mer. On n'est pas rassurés, mais on se rend quand même au rendez-vous, fixé sur la plage. Hola. Comment ça? C'est ça qu'on appelle un panga. C'est le nom que donnent les locaux à ce genre de barque. Sur le bateau, il n'y a pas que les pêcheurs, il y a aussi le mec en bleu, juste derrière moi, qui fait partie du cartel de Sinaloa. C'est un cartel mexicain parmi les plus puissants qui contrôle le trafic de drogue, mais donc aussi le trafic de Toto Abad. Et donc, il est là sur le bateau pour chapeauter la pêche. Combien d'hameçons il y a, tout, là ? En gros, 150. Ça fait combien de temps que vous pêchez le Toto Abad ? Ça va faire 2 ans. Vous savez que le Toto Abad, c'est une espèce protégée. C'est interdit de le pêcher, mais vous le faites quand même ? Ouais, c'est une nécessité pour ma famille avant tout. De toute façon, il y aura toujours des gens pour acheter les poissons d'ici. Alors même si c'est illégal, on le fait quand même. Nous allons comprendre pourquoi eux ont accepté de nous emmener. Ils veulent nous montrer qu'ils n'utilisent pas de filet. À la place, ils déploient ces longues lignes équipées d'hameçons. Moins dangereuses pour le vaquita, certes, mais destructrices pour de nombreuses autres espèces. Je crois que c'est un requin marteau, là. Il est mort. Ça arrive souvent pendant que vous pêchez les Toto Abad ? Oh, un petit requin comme ça. Un ou deux, de temps en temps. Et du coup, vous allez en faire quoi ? On va le ramener à la maison, pour le manger en famille. Comme la quasi-totalité des requins, le requin marteau figure sur la liste des espèces menacées d'extinction. Tuer des juvéniles, comme c'est le cas ici, est encore plus grave, puisqu'ils n'ont pas le temps de se reproduire. Aujourd'hui, les braconniers ne tirent pas le gros lot. Aucun Toto Abad ne mord à l'hameçon. Alors ils décident de nous montrer leur butin, ce qu'ils ont réussi à pêcher le jour précédent. C'est ça un Toto Abad. C'est ça la cocaïne de la mer. Tu dois l'ouvrir avec beaucoup de précaution, car si on l'abîme, on ne gagne plus grand-chose. Elle est où la vessie ? Elle est là. C'est ça ? Qu'est-ce que vous vous dites quand vous êtes en train de faire ça ? Quand je regarde ça, je ne vois que de l'argent. Je fais très attention pour ne pas perdre un centime. Celle-là doit faire, allez, 400 grammes. On peut en tirer 1000 dollars. Ce braconnier va vendre la vessie au cartel de Sinaloa. Et le responsable local de cette mafia, vous allez le voir. Il souhaite nous parler, pour se justifier. Voilà. Ne vous fiez pas à son modeste t-shirt et à sa cagoule artisanale. Cet homme appartient à un groupe responsable de centaines d'assassinats.
Est-ce que vous avez conscience que ce trafic est en train de faire disparaître une espèce, les vaquitas ? Oui, j'en suis conscient. Mais pour moi, les vaquitas, il n'y en a déjà plus. S'il y en avait encore, avec tous les pêcheurs qu'on a ici, on en trouverait dans les filets. Et ça, ça n'est plus arrivé depuis des années. Combien vous allez les vendre, ces vessies ? Au kilo, ça peut atteindre jusqu'à 50 000, 70 000 dollars pour un kilo. C'est plus que l'or. Oui, on appelle ça la mafia blanche. Les acheteurs chinois, ils pensent que cette vessie, elle a des vertus miraculeuses, qu'elle soigne des maladies, qu'elle donne de l'énergie. Vous y croyez, vous, à ça ? J'ai entendu ça, oui. Oui, je sais pas si c'est vrai. Voilà, c'est à cause de ça que les vaquitas disparaissent, c'est à cause de ça que les totoabas sont en danger, c'est à cause de ça qu'il y a des centaines de braconniers qui dévastent les écosystèmes de la mer de Cortés. C'est pour ces vessies-là, pour de l'argent. Californie, des écosystèmes qui arrivent à se remettre des dégâts du passé. On se dirige vers le sud de la péninsule, vers un endroit qui s'appelle Cabo Pulmo. Dans ce petit village perdu au milieu du désert, tout le monde était pêcheur il y a encore une vingtaine d'années. Mais aujourd'hui, bouteilles d'air comprimé et touristes ont remplacé filets et hameçons, car Cabo Pulmo est devenu une réserve marine. Les anciens pêcheurs comme Mario Castro se sont reconvertis en moniteurs de plongée. Ça, c'est des photos de avant la réserve ? Oui, je vais vous les montrer. Ça, c'est un requin-marteau que mon frère Paco avait pêché. C'était en quelle année, ça ? En 1985. Qu'est-ce que vous en faisiez des requins ? Des fins. On vendait leurs ailerons et on se faisait beaucoup d'argent. Ça, c'est un gros poisson. Oui, c'est un mérou géant, 80 kilos. À Cabo Pulmo, la mer s'était vidée à cause de la surpêche. Les pêcheurs revenaient bredouilles, comme si les poissons s'étaient évaporés. Alors la population a décidé de ranger les filets et a demandé la création d'une réserve. Vous étiez l'un des premiers à convaincre les autres habitants qu'il fallait arrêter la pêche. Comment ça s'est passé au début ? Mon oncle et mon père me disaient non. Non, non, non. Mais le problème, c'est qu'on attrapait de moins en moins de poissons. Quand on a commencé à parler d'une réserve, chaque jour, j'organisais des réunions ici, à Cabo Pulmo, à La Paz, à Los Cabos, parce que je la voulais. Je connaissais les dégâts qu'on était en train de faire, avec les hameçons, avec les ancres. Il fallait qu'on change. Plus aucun poisson n'a été pêché ici depuis 25 ans. Et Cabo Pulmo est devenue l'une des réserves marines les plus saines du monde. Un paradis pour les plongeurs et une très bonne source de revenus pour les habitants. L'objectif de la journée, c'est de trouver l'espèce la plus emblématique de Cabo Pulmo. Ce sont les carangues qui forment des immenses bancs de plusieurs milliers de poissons. Notre guide, c'est David Castro, fils de Mario, le fondateur du sanctuaire. À cet endroit, il y a à la fois les courants de la mer de Cortés et aussi ceux du Pacifique qui arrivent. C'est pour ça que c'est aussi foisonnant, parce qu'il y a énormément de nutriments. En termes de taille de poisson, de biomasse, c'est vraiment l'endroit que je préfère. Dès les premières secondes, nous les trouvons.
les Karangues. Elles sont des milliers, mais ne forment qu'un seul bloc. Un tourbillon majestueux. C'est incroyable d'avoir des bancs de Karangues aussi gigantesques, d'avoir autant de vie ici. Quand on sait qu'il y a 25 ans, il n'y avait presque plus aucun poisson à cause de la surpêche. La biomasse a augmenté de 400%. Aussi facilement, c'est parce qu'elles savent qu'ici, elles ne risquent rien. Enfin, en tout cas, pas de danger venant de l'homme. S'il y a autant de poissons dans tous les récifs de Cabo Pulmo, c'est uniquement parce que toute la population protège ce site depuis plus de 20 ans. Oui, c'est fréquent quand c'est la saison. Je suis heureux là, parce que je sais que tout ça n'aurait jamais été possible sans la décision radicale de mon père. Est-ce qu'on sait à peu près combien il y a d'espèces ici à Cabo Pulmo? Oui, on a plus de 300 espèces de poissons différentes. Des requins bulldogs, à la mauvaise réputation. Ce sont les requins les plus dangereux pour l'homme. Mais ici, ils sont relativement inoffensifs. Je dis bien relativement, parce que ça reste des prédateurs. Pas trop tard pour sauver les océans. C'est le message de Cabo Pulmo. Si nous réparons nos erreurs en créant des sanctuaires, la vie reviendra. Et cette leçon s'applique au monde entier, y compris chez nous, sur nos côtes. Vous reconnaissez sûrement la Méditerranée. C'est aujourd'hui la mer la plus polluée du monde par le plastique. Direction le sud de la France pour rencontrer de nouveaux combattants. Ceux qui veulent sauver cet écosystème. Je suis au milieu du parc national marin de Port-Cros. Guillaume Néry est 50 mètres en dessous en train de s'entraîner. Il m'a dit d'attendre ici, alors j'attends. Bon, en même temps, je vais pas aller le chercher. Quoi de mieux qu'un homme poisson pour nous accompagner sur le front méditerranéen? À 37 ans, Guillaume Néry est double champion du monde d'apnée. Nos caméras peinent à le suivre à cette profondeur, sur cette épave inaccessible au commun des mortels.
capable de rester 7 minutes sans respirer et de descendre à 126 mètres de profondeur. Ce Niçois d'origine ne reconnaît plus la mer où il plonge depuis son enfance. Ça va, Guillaume ? T'as besoin d'un coup de main ? C'est bon. Pourquoi t'as voulu nous amener ici en particulier ? Parce que au même endroit, on peut voir à la fois les dégâts causés par l'homme. Les océans sont en train de se vider de manière dramatique. Mais on peut voir aussi que la vie peut revenir. Et tout ça à quelques centaines de mètres d'écart. Donc on va aller explorer les fonds ensemble. Ouais, je vais t'amener en apnée. Alors d'abord, t'inquiète pas, on va pas y aller comme ça. D'abord, je vais te montrer quelques techniques. Parce que j'en ai jamais fait, Guillaume, hein, t'es au courant. T'inquiète pas. On t'a prévenu, je m'occuperai de tout. Bon, on va s'entraîner. Allons, on y va. C'est parti. Donc, je vais te le faire en trois phases. Phase 1. Phase 2. Phase 3. Et là, tu te sens totalement rempli. Chaque alvéole est gonflé. Alors, une main sur le ventre, une main sur le thorax. Et on commence d'abord par le ventre. Hop, on prend le relais sur la cage thoracique. Et tu termines, tu peux même ouvrir la bouche. Et là, tu peux te détendre. Et là, tu expires. Très important que ta cage thoracique soit détendue. Il faut que tu sentes que tout l'air veut sortir. Et c'est là que ça bloque. Voilà. On entend souvent, moi, je sais pas tenir longtemps sous l'eau. J'y arrive pas. Au bout de 10 secondes, j'ai envie de remonter. Tout ça, ça s'améliore. J'ai passé ma vie à entendre ça et à démontrer le contraire. Tout le monde peut tenir 2 minutes. Minimum. Tout le monde peut tenir 2 minutes. Tout le monde peut tenir 2 minutes minimum, oui. Ça, ok. Guillaume veut me faire plonger sur deux sites du Var pour me montrer le contraste saisissant. Pour ma première apnée, ce sera au cœur du parc national de Porquerolles et plus précisément à la Gabinière. Ici, toute forme de pêche est strictement interdite. Depuis 20 ans, les poissons vivent dans ces lieux en toute tranquillité. Là, c'est peut-être un des endroits méditerranéens où on peut voir le plus de poissons différents. C'est-à-dire que là, on est vraiment dans l'exception, on n'est plus dans la norme ici. Ça ne fait aucun doute. Ici, de la vie, il y en a. Et on croise l'emblème de Porquerolles, le mérou. Ce gros poisson était auparavant très commun en Méditerranée. Aujourd'hui, en dehors de ces zones protégées, il se fait beaucoup plus rare, victime de la surpêche, notamment au fusil harpon. Le petit poisson qui est partout là, comment il s'appelle ? Ah, ça c'est la castagnole. Castagnole. C'est un peu l'emblème de la Méditerranée. On a vu des sards, on a vu des saupes. On a vu une dorade. Comme ouais, ça, ouais, ça faisait longtemps que j'ai pas vu une dorade pareille. Ouais. Et je ne suis pas marseillais quand je dis comme ça. C'est super rare. De voir autant de diversité. Ouais, de voir autant de diversité sur une même plongée. Et non, on peut dire vraiment là qu'on a la carte postale d'une mer Méditerranée parfaite. Guillaume veut maintenant nous montrer à quoi ressemble vraiment la Méditerranée aujourd'hui. Pour ça, pas besoin d'aller très loin. À 2 km à peine de Porquerolles, quelques minutes en bateau, un autre site très réputé, l'île de Porquerolles. Bah ici, on est au bord de l'île de Porquerolles. Comme tu vois, c'est exceptionnel. L'eau est claire, il n'y a pas une seule habitation. Et pourtant, sous l'eau, je te laisserai regarder par toi-même. On peut s'imaginer que c'est rempli de poissons et c'est pas la grande folie.
la différence me saute aux yeux. Porquerolles est moins protégé que Porquerolles. Ici, la pêche n'est pas totalement interdite. À certains endroits, il est possible de la pratiquer librement toute l'année. C'est désert. Y'a rien. C'est vrai que c'est assez impressionnant, ouais. Qu'est-ce que ça te fait, toi, de plonger dans un cadre magnifique comme ça et de voir un désert au fond? C'est très triste. Aujourd'hui, on peut plus se voiler la face, on peut pas fermer les yeux sur la réalité. Les océans sont en train de se vider de manière dramatique. Il faut prendre le problème à bras-le-corps. Ça me conforte dans cette idée qu'aujourd'hui, il faut vraiment qu'il y ait des réserves qui poussent partout. Protéger, pour éviter les déserts comme celui-ci, alors qu'à 2 km de là, dans la même mer, les poissons sont partout. Un monde foisonnant face à une coquille vide. En Méditerranée, 2/3 des stocks de poissons sont victimes de la surpêche. Les espèces n'ont plus le temps de se reproduire et s'affaiblissent. Rougets, merlus, anchois, sardines, autant d'animaux qui pourraient bientôt devenir très rares en Méditerranée. Un symbole. Sac plastique, ça, hein? Ouais. J'ai vu que tu prenais ça, mais j'ai pas compris pourquoi. Alors ça, c'est une grande nacre, enfin, ce qui reste d'une grande nacre. C'était rempli avant Méditerranée. Ils sont tous en train de disparaître. C'est un drame silencieux qui est en train de se jouer en Méditerranée. Bah, tout ce qui se passe sous la surface, forcément, c'est pas aux yeux de tous. Donc il faut aller, il faut montrer. C'est notre seule chance de le rendre un peu moins silencieux. Et s'il y a un phénomène qu'il faut montrer sans relâche, c'est bien celui-là. Le plastique. Il envahit la Méditerranée. Aucune autre mer n'est autant touchée par cette pollution. Ces images, tournées au printemps dernier dans la rade de Toulon, dévoilent une décharge sous-marine. Un exemple parmi tant d'autres d'une situation qui s'aggrave de jour en jour. Et la liste des victimes s'allonge. Devant moi, un nouveau cadavre. Je veux bien le gros scalpel. Cause de la mort inconnue. C'est la biologiste Delphine Gambayani qui pratique l'autopsie. Pour l'instant, on ne sait pas de quoi elle est morte. On ne sait pas de quoi elle est morte, non. Elle, c'est une tortue marine. Retrouvée dans un filet de pêche au large de l'embouchure du Rhône. Évidemment, c'est pas très agréable à regarder, mais c'est indispensable de passer par là pour en savoir plus sur les dangers qui guettent les tortues marines en Méditerranée. C'est important d'autopsier les tortues pour voir si elles ont ingéré des déchets. Ce sont des animaux qui sont bio-indicateurs des déchets en mer, c'est-à-dire que ce qu'ils ingèrent correspond à ce qui est en mer. Sur cette tortue, pas de blessure apparente et les organes semblent sains. Après plusieurs heures de recherche, le résultat tombe. Cette tortue a été prise au piège dans un filet et elle est morte sans doute asphyxiée, noyée dans le filet. Dans cette tortue, pas de plastique. Dans cette tortue, pas de plastique. Alors c'est une bonne nouvelle parce que c'est assez rare. Je suis tombé un jour d'exception. Car dans 8 cas sur 10, voilà ce que Delphine découvre dans le système digestif de ces animaux. Tu vois, Hugo, là, c'est un échantillon de ce qu'on trouve dans les tortues marines en autopsie. On a des morceaux, des films plastiques et puis on a des emballages. Ça, c'est du sac poubelle, un peu plus classique et visiblement un emballage plastique de cigarettes. C'est ça. Le seul mot qu'on arrive encore à lire sur cet emballage, c'est naturel.
Drôle d'ironie, ouais. C'est quoi les conséquences pour les tortues d'avaler tout ça? Déjà, ça te remplit l'estomac de déchets, de choses qui ne te nourrissent pas. Et puis, il y a aussi le risque d'occlusion. Donc, selon les déchets, ça fait des bouchons, quoi. Là, tu as un fil nylon. Ça, c'est une forme qui est dangereuse pour la tortue. Tu as tous les intestins qui vont s'amalgamer autour de ce fil-là. Et du coup, il n'y a plus rien qui passe. Et donc là, ça peut entraîner la mort de l'animal, ouais. Il y a une étude qui dit qu'en 2050, il y aura plus de plastique que de poissons dans l'océan. Est-ce que quand tu vois ça, ça te semble réaliste? Ça me semble réaliste, oui. Parce que les tortues les ingèrent, mais aussi les poissons les ingèrent aussi. Puis les plastiques, ça s'accumule. Il y en a beaucoup, beaucoup. Et on continue à alimenter ça. Je pense qu'il faut juste couper le robinet, quoi. Delphine étudie les tortues depuis 10 ans. C'est une sentinelle de la Méditerranée. Elle est née ici, au Sainte-Marie-de-la-Mer, en Camargue. Très souvent, elle se rend sur le port pour voir ce que les pêcheurs ont remonté dans leurs filets. Et on ne parle pas de poissons. Regarde ce qu'on a retrouvé. Qu'est-ce que c'est? Une carte avec un ballon accroché? C'est ça. Je m'appelle Liana, aujourd'hui j'ai 7 ans. Si vous retrouvez cette carte, merci de me la renvoyer sans oublier votre adresse. C'est dingue. Et vous avez trouvé ça où? Au fond de l'eau, à une quinzaine de mètres, dans un pot à poulpe. Un pot à poulpe? Ouais, c'est un engin de pêche en fait. Et elle vient d'où cette carte? Tourne, tu vas voir. Savigné-sur-Latan, c'est où ça? C'est à côté de Tours, t'as plus de 700 km. Donc, attends, je résume. Pour l'anniversaire sans doute de cette petite, ils ont jeté des ballons de baudruche. Et ça se retrouve à 700 km au fond de la Méditerranée, dans un piège à poules. Dans un piège à poules. C'est surréaliste. Delphine veut nous présenter une légende locale. Salut Delphine. Didier, alias Dédé, 40 ans de pêche, 18 de retraite et toujours à fond. Qu'est-ce qu'on a là-dedans, dans ce bac? Eh bien là, on a différentes sortes de plastiques qui nous sont amenés par les pêcheurs. On trouve de tout, des bouteilles. Ça m'énerve. Et encore, c'est une faible partie de ce qu'on récupère. Là, c'est un reste de canettes, des yaourts. Le problème avec ces emballages, ces plastiques, c'est que ça dure dans le temps. Et si tu regardes la date de péremption, là, tiens. 94, ça fait 25 ans que c'est dans l'eau. Alors là, n'en parlons pas, c'est une catastrophe. Ça se défait, les petites particules partent à la mer et ça rentre dans les cétacés, dans les tortues, même dans les poissons. Quand vous voyez ça, Dédé, qu'est-ce que vous vous dites? Je me dis que c'est une catastrophe pour les humains et pour la génération qui arrive, si on ne fait rien. Je pense, moi, personnellement, que l'éducation nationale devrait faire un effort pour éduquer les enfants. C'est les enfants qui vont éduquer les parents, c'est pas les parents. Le seul espoir, c'est les enfants. Dédé a raison d'avoir de l'espoir. Delphine en sait quelque chose. Car elle intervient régulièrement dans l'école des Saintes-Maries. Ici, beaucoup d'enfants sont issus de familles qui vivent grâce à la mer. Bonjour. Alors, qu'est-ce que vous avez préparé? Cette photo, parce que c'est la tortue qui confond les méduses avec les sacs plastiques. De un, ça pollue. Et de deux, c'est méchant pour les animaux marins. Oh là là, là aussi on a un beau poster. Et ça, qu'est-ce que c'est tout ça? Ça, c'est des déchets qu'on a trouvés sur la plage. Vous avez trouvé ça sur la plage? Ouais. Et vous avez mélangé donc des déchets et de coquillages? Ouais. Vous avez un message à faire passer ou? Ben, c'est ce qu'ils mangent. Pas forcément ce qu'ils veulent manger, mais en tout cas, c'est ce qu'on peut retrouver dans une tortue. Vous trouvez ça normal de trouver ça sur la plage? Non. En fait, on se tue nous-mêmes. Donc, et on tue les tortues. C'est quand les tortues éclosent. Qu'est-ce que ça te fait de voir le niveau d'information qu'ils ont là-dessus? Je suis impressionnée. Et c'est tellement touchant d'avoir des petits bouts qui parlent d'environnement, d'urgence, que c'est pas normal, qu'il faut faire quelque chose. Je suis vraiment à deux doigts de pleurer là quand même. En attendant que ces enfants prennent la terre en main, il faut gérer l'urgence et sauver des vies.
car les tortues marines sont aujourd'hui menacées de disparition. Delphine m'emmène dans le centre de soins où elle travaille. Nous voici dans l'hôpital pour tortues du Gros du Roi. Salut Jean-Baptiste. Salut. Merci de nous recevoir. Enchanté. T'es un peu le soigneur en chef de cet endroit. Bah, je m'occupe du centre de soins, oui, effectivement. De toutes les tortues qui arrivent ici, qui sont mal en point. Ces animaux sont des rescapés du plastique et des filets de pêche. La plupart ont été déposés ici par les marins eux-mêmes. Hop, elle a une petite blessure. C'est un abcès qu'elle a eu et on ne sait pas trop à quoi c'est dû. C'est une jeune, celle-ci aussi ? Oui, c'est une jeune tortue. Ouais. On va tout faire pour qu'elle puisse retrouver la mère très vite, grossir, rencontrer une copine ou un copain et, et faire perdurer l'espèce. Oui. Ce centre fonctionne essentiellement grâce à des bénévoles qui prennent sur leur temps libre pour venir ici soigner les tortues et puis les nourrir. Elle a éclos en France et donc du coup elle est allée aux 16 mètres pour qu'on l'aide à retrouver des forces et retourner en Guyane. C'est quoi, c'est des antibios ? Antibios anti-inflammatoires. Elles ont besoin d'eau, même si elles sont menacées, c'est aussi à cause de l'homme, c'est ça qui est paradoxal. Pendant 150 millions d'années, elles ont fait leur vie et en l'espace de 50 ans, on a tout bouleversé. C'est ça qui est assez incroyable. Aujourd'hui, c'est un jour un peu spécial puisqu'il y a deux tortues qui vont être remises en liberté en même temps. On va en relâcher les deux, là. Qui, Libellule ? Ouais, ouais. Ah, elle va me manquer. Là, elle est prête, elle mange. Il y a elle et qui ? Gribouille à côté. Allez, Gribouille, viens là. C'est l'heure du départ. Elle pèse son poids, hein. Bah, qu'est-ce qui se passe ? C'est une bonne nouvelle qu'elle s'en aille, non ? Savoir qu'on a pu la soigner, qu'elle peut retrouver sa liberté. Voilà, les larmes, ça peut être de tristesse comme de joie. Là, c'est un peu de tout. Et bon voyage. Allez, Libellule, on y va. On va les relâcher où du coup ? Ben là on va au large, on essaie d'aller loin des côtes et loin des filets pour leur donner le plus de chances possible. C'est bon, parfait. Et de une. Allez, elle est pressée hein. Rapide, elles partent vite. Ça prouve qu'elles étaient prêtes. Ouais, dès que tu les as mises dans l'eau, elles... Là, elles sont beaucoup plus à l'aise que nous. Hein. Bien joué. Delphine et Jean-Baptiste ont sauvé près de 200 tortues en 10 ans. Ils les relâchent dans une mer toujours plus infestée de plastique et de filets. Elles peuvent encore croiser une paille, ingurgiter un morceau de sac, ou encore se gorger de résidus de plastique invisibles. C'est ce que nous allons découvrir. Bienvenue sur le Blue Panda. Ce bateau du WWF navigue au large entre la Corse et la Côte d'Azur. À bord, des chercheurs et des plongeurs qui scrutent la mer en espérant trouver des géants. Je m'appelle Denis, j'ai 59 ans et je travaille au WWF pour protéger les cétacés de Méditerranée. Ce biologiste marin dirige les opérations. Qu'est-ce qu'on cherche là, Denis ? On cherche des rorquals communs.
On est trois observateurs et ce qu'on va chercher, c'est un petit éclat qui n'est pas normal. Ça peut être un souffle, ça peut être un splash. Et les souffles, surtout le matin, quand le soleil est un peu rasant, peuvent se voir très bien sur l'horizon. Rorqual commun, c'est le nom des baleines qui sillonnent la Méditerranée. Le deuxième plus gros animal du monde. Elles peuvent dépasser 20 mètres et 50 tonnes. Malgré leur taille, les repérer dans cette immensité, c'est comme chercher une aiguille dans une botte de foin. Heureusement, l'équipage a de l'expérience. J'ai un souffle à peu près dans le 200, donc c'est 2 heures ici et à 1000 mètres de nous. La première rencontre avec une baleine reste en général gravée dans la mémoire. Aujourd'hui, je suis particulièrement gâté, car plusieurs d'entre elles se baladent à proximité du bateau. L'équipage ne se contente pas d'observer ce moment magique. Elle est devant, on la voit. Ah oui, ouais. Tac. J'ai vu. Ouais. Il n'y a plus une minute à perdre. Les scientifiques du Blue Panda vont tenter une opération compliquée. Prélever un morceau de peau de la baleine et placer une caméra sur son dos. Bon, tu la vois, Hugo ? Non, là, je l'ai perdue. Ah, elle est là ? Ouais. Ok, pile en face de nous. Elle se déplace vite, quand même, hein ? Ouais. Parce que c'est une des baleines les plus rapides, t'as vu comme elle est taillée, elle est très fine, ouais. Ça va très très vite, ça peut monter à 30-40 km/h, alors je sais pas si tu vois. L'équipe va essayer de fixer cette balise avec une petite caméra sur le dos d'une baleine à l'aide de cette perche. C'est une opération un peu délicate, mais ça permet d'apprendre plein de choses sur ces animaux. Magnifique. La baleine se cabre et entame sa plongée. Image embarquée exceptionnelle. Vis ma vie de baleine. On la voit descendre se nourrir dans les profondeurs, jusqu'à 600 mètres de fond. Elle interagit aussi avec l'une de ses congénères. On dirait presque un câlin. La caméra se détache toute seule au bout de quelques minutes. Les biologistes veulent savoir si même ici, à une telle profondeur, loin des côtes, les rorquals sont contaminés aux microplastiques. Pour cela, ils vont prélever un échantillon de graisse. C'est ce qu'on appelle une biopsie. Les outils ne sont pas très rassurants, mais c'est la seule solution pour atteindre l'animal de loin. Ce qui est compliqué, c'est que la baleine en surface, elle reste 2-3 minutes, mais le moment où on a une fenêtre de tir, c'est 1 à 2 secondes. Parce que c'est le moment où elle présente son dos, elle cabre le plus. Alors là, tu me bluffes, Seb. Tu l'as vu ? Ouais. Seulement quelques grammes ont été prélevés sur ce colosse de 40 tonnes. Il n'a rien senti. Tu as une carotte de gras et dessous, tu as la peau. BP1, première baleine de la journée. NR38, 38e biopsie de la campagne. 7h48. Reçu. Ce qui est incroyable, c'est le contraste entre la taille de l'animal, elle est gigantesque, et son calme. Elle vient juste à côté de nous, elle est curieuse, elle fait presque pas de bruit. On va repartir, est-ce que tu peux nous faire un petit point sur les baleines, s'il te plaît ? Dans notre 6 heures, il y a un animal là en visu, mais elle se dirige vers vous. Et dans vos 6 heures, à quelle distance ? 2000. Toute la journée, Denis et son équipe réalisent un maximum de prélèvements. Bon,
voit son sillage. Ah ouais. Les rorquals communs apprécient la Méditerranée. Ils seraient environ 1500 à vivre discrètement, juste à côté de nous. 0154. Ils ont biopsié 10 baleines aujourd'hui. On va sortir la biopsie de la glacière. Là, donc là, je vais prendre la pointe. Donc là, elle vient directement de la flèche. En noir, j'imagine que c'est la peau. Exactement. Et donc après, en plus clair, c'est le gras. Donc là, maintenant, voilà, on a séparé la peau du gras. Donc je vais te demander d'ouvrir doucement le tube en verre. On va mettre le gras à l'intérieur. Ces analyses doivent répondre à une question simple. Le plastique fait-il désormais partie de l'épiderme de l'animal ? A-t-il tellement envahi la Méditerranée qu'on ne le retrouve non plus dans l'estomac, mais carrément dans la chair du géant des mers? Qu'est-ce qu'on va chercher là-dedans, Denis? On cherche les phtalates. Donc les phtalates, c'est des traceurs des plastiques, pour voir de quelle façon ces plastiques, en se dégradant, libèrent des contaminants qui intègrent la chaîne alimentaire et donc dans des baleines. Les phtalates, ce sont des particules chimiques qui permettent au plastique d'être souple et de résister aux chocs thermiques. Un produit miracle sur le papier. Mais quand les plastiques se retrouvent dans l'eau, ils se dégradent et libèrent ces contaminants qui empoisonnent toute la chaîne alimentaire. Ces analyses prendront du temps. Il faudra plusieurs mois pour savoir à quel point les baleines sont contaminées par les phtalates. Quelles sont les chances de trouver du phtalate là-dedans ? D'après les trois premières années, à peu près 100%. 100% des rorquals communs en Méditerranée sont contaminés au plastique ? Oui, je crois qu'aujourd'hui on peut dire ça, absolument. C'est effrayant ? C'est très effrayant. C'est très effrayant parce que les plastiques, c'est pas non plus aussi long que l'histoire de l'humanité, hein, c'est 50 ans. C'est quoi les conséquences pour eux, potentielles, de cette contamination ? Alors, c'est des perturbateurs endocriniens et des reprotoxiques, donc ça va atteindre essentiellement les systèmes immunitaires, les systèmes reproducteurs, et que le jour par exemple où il y a une maladie, où ça existe dans la nature, il y a des épidémies de grippe, et bien ils vont mourir alors que sinon ils auraient résisté. Toi t'es inquiet quand tu vois ça, à titre personnel? Non seulement je suis inquiet, mais je suis même assez désespéré et à la fois très en colère. Je trouve que nous sommes la génération de la honte. Voilà. C'est une honte d'avoir laissé à ce point les choses filer comme ça, alors qu'on le sait depuis très très longtemps. Je suis dans un mélange d'inquiétude pour mes enfants et de très grande colère aussi. Ces animaux majestueux, parfaitement adaptés à leur milieu, s'affaiblissent à cause de nous et de nos déchets. Dans le monde, 250 kg de plastique terminent dans l'océan chaque seconde. C'est maintenant que nous devons agir pour arrêter l'hémorragie. Car il n'est pas trop tard. Les hommes et les animaux marins sont capables de vivre côte à côte, en harmonie. Je retrouve Guillaume Néry, au large de Nice. Il s'engage aussi contre le plastique, avec sa partenaire d'aventure, Julie Gauthier, qui filme tous ses exploits. On a un message aujourd'hui, c'est d'essayer de dire, regardez, regardez juste autour, voilà, regardez ce qu'il y a. C'est ce qu'on est en train de faire là. C'est ce qu'on est en train de faire. La maison, elle est pour nous, elle est à une heure de bateau, elle n'est pas loin. Et on est au cœur du sanctuaire Pélagos. On a des dauphins qui sautent partout. Et puis il y a les globicéphales qu'on est en train de chercher, qui sont des animaux fascinants. On n'a jamais rencontré nous dans nos voyages et pourtant ils sont juste là. Il est 6h du matin, on était censé partir à la recherche des globicéphales aujourd'hui, mais en fait c'est eux qui nous ont trouvés. Ils sont venus nous réveiller en s'approchant du bateau. Salut toi. C'est pas possible.
Bon, malgré tout ce que vous avez fait, vous arrivez encore à avoir de l'excitation pour ça? La grosse excitation. Bah, c'est nouveau, on les a jamais vus, ceux-là. Donc, c'est toujours une nouvelle expérience. On ne sait pas du tout comment va se passer l'approche. Fascinant avec les globis, c'est leur forme fantomatique. On n'arrive pas dans un premier temps à distinguer s'il y a des yeux, s'il n'y a pas d'yeux, on a l'impression que c'est une forme un peu spatiale. Et je ne peux pas m'empêcher d'essayer de lire au travers de ce regard ce qu'il peut y avoir derrière. Nous voit-il comme des semblables? Nous voit-il comme un danger, comme une source de curiosité? Et moi, c'est vrai que j'essaye d'être le plus gracieux, le plus doux, pour pas qu'il m'identifie comme un étranger, pour essayer, l'espace d'un instant, de devenir un de leurs semblables. Dans une rencontre qui nous transmet une émotion forte. Ça m'amène à vraiment questionner beaucoup de choses et ça m'amène à me battre toujours plus pour que l'impact de notre espèce humaine soit moindre sur le monde sauvage. Toi, à ton niveau, quelle décision t'as prise pour limiter ton impact sur le milieu marin? J'ai commencé par un truc tout simple, c'est d'arrêter d'acheter du poisson. Si aujourd'hui l'Europe s'arrête de manger du poisson, l'Europe ne va pas disparaître. La population européenne continuera de vivre. On peut arriver à avoir des sources de protéines ailleurs. On peut modifier notre mode de consommation. La grosse problématique, c'est le lien qu'il peut y avoir entre une situation qu'on va condamner et à laquelle on participe finalement de manière inconsciente. Et il y en a tellement des situations qu'on veut condamner. La pire de toutes se trouve peut-être à l'autre bout de la planète. La grande barrière de corail, en Australie, elle aussi est en grand danger. Comment peut-on laisser dépérir une telle merveille? 2000 km de long, le plus grand organisme vivant du monde, visible depuis l'espace. Et voilà que des projets industriels la menacent. Des combattants s'y opposent de toutes leurs forces. Mais avant de les rejoindre, allons voir le problème de plus près. On est sur la grande barrière de corail, la 8e merveille du monde pour les Australiens et le rêve ultime pour des millions de touristes, c'est le temple de la biodiversité. Sur un seul hectare de récif, il y a plus de poissons, plus d'espèces que sur la totalité des côtes de France métropolitaine. Et on est sur un bateau de touristes qui vont avoir la chance de plonger dans cet écosystème unique au monde. Salut mademoiselle, t'as quel âge? 9 ans. Qu'est-ce que t'as envie de voir toi ici? Les requins? T'as pas peur des requins? Non. Okay. Ils sont petits ici. Oui, les requins, le récif, ça risque rien. On va à l'eau? On va à l'eau. Go. Dans cet écosystème unique, classé au patrimoine mondial de l'humanité, chaque maillon est essentiel et assure l'équilibre général.
Ici, les animaux marins trouvent refuge et nourriture. Tortue verte, anémone, poisson clown, vivent en parfaite harmonie depuis la nuit des temps. Nous avons beaucoup de chance, car ces récifs et leurs habitants sont les rescapés d'une hécatombe, causée par le changement climatique qui fait monter la température de l'eau. Bon, ça mérite sa réputation, hein. C'est magnifique. Il y a des centaines d'espèces de coraux différentes, de toutes les couleurs. On a vraiment l'impression d'être dans un aquarium. Une expérience de fou, on a vu requins de récif, tortues. Et là, j'en ai vu plein les yeux, là. Franchement, trop bien. J'ai du mal à m'en remettre, d'ailleurs. Pour nous, comme pour ces touristes ébahis, la Grande Barrière fait encore illusion. Mais ce bateau est un des seuls à évoquer la face cachée de ce site unique. À bord, une scientifique s'adresse aux touristes et elle n'a pas de bonnes nouvelles. En haut, vous pouvez voir comment c'était avant les épisodes de blanchissement et juste après. Et si vous voulez regarder, vous verrez bien la différence. La mort du corail, c'est concret, c'est réel. Et ces photos vous le montrent bien. Blanchissement. C'est le mot qui fait trembler la Grande Barrière. En 2016 et en 2017, la moitié des coraux australiens ont perdu leur couleur. Un désert blanc, qui est en fait une alerte rouge. En temps normal, le corail est une alliance exceptionnelle entre des animaux et des plantes. L'animal construit le squelette et abrite des algues qui en retour fournissent oxygène et nourriture. Quand l'eau se réchauffe, les coraux stressent et expulsent les algues, pourtant essentielles à leur survie. C'est ça, le blanchissement. Le corail finit par s'épuiser et meurt de faim. En 2016, on estime que 50% de tous les coraux de la Grande Barrière ont blanchi. Et la plupart d'entre eux sont morts. Donc c'est énorme, 50%. Vous devez changer régulièrement de site, en fait. Oui, on a dû changer de site. Aller aux endroits où le corail est en meilleure santé pour montrer un corail vivant. Car personne n'a envie de voir de corail mort. Nous changeons de bateau. Cette fois-ci, on ne part pas avec les touristes à la recherche des plus beaux récifs. On va aller voir l'inverse. Ce navire est destiné à la recherche. Aux commandes, des Australiens qui partent au front pour alerter sur la santé des coraux. Bonjour, je m'appelle John et j'aime ce récif autant qu'un membre de ma famille. Je plonge ici depuis 45 ans et j'ai vu le changement. C'était un monde vivant, vibrant. Aujourd'hui, la Grande Barrière est devenue l'ombre d'elle-même. John est biologiste, l'un des meilleurs connaisseurs de la Grande Barrière. Un scientifique devenu combattant. Ce matin, il veut nous montrer un cimetière. Le contraste est saisissant. Rien à voir avec ma première plongée sur la Grande Barrière. Les couleurs resplendissantes ont laissé place à un gris terne. Ces coraux sont morts en 2016, comme les autres. Ils ont blanchi et ne s'en sont pas remis. La nature a mis des milliers d'années à construire ces récifs. Ils ont disparu en quelques semaines. J'ai l'impression de survoler une forêt calcinée. C'est ce que tu as toujours aimé, ce que tu as toujours voulu découvrir, explorer. C'était juste fantastique, foisonnant. Et maintenant, la voir disparaître, c'est dur d'en parler. C'est comme si tu voyais ton enfant souffrir du cancer. Ça n'a plus rien de scientifique, c'est quelque chose de personnel. Je pense que plusieurs d'entre nous sont tombés en dépression. Mais maintenant, on veut faire tout ce qu'on peut pour mobiliser le monde entier et sauver ces coraux. Si on tue la Grande Barrière, on tue aussi tous les petits organismes de l'océan. Et c'est ça qui permet de produire l'oxygène.
Réfléchis un peu. Quand le monde entier prend une grande respiration, 50% de l'oxygène, ça vient de l'océan. Donc comment on va faire si l'océan est mort ? On dirait un os. Oui, c'est du carbonate de calcium. Qu'est-ce qu'on va faire du coup sous l'eau là ? On va dérouler ce mètre et toi, tu vas compter les butterfly fish. Butterfly fish, les poissons papillons. Yes. Oui, c'est un indicateur qui montre que le récif est sain. Plus j'en vois, plus c'est bon signe. Absolument. Comme des médecins légistes sur une scène de crime, nous délimitons les zones mortes et celles qui résistent. Me voilà chargé de compter les poissons papillons, enfin, les quelques survivants. Ici, il y a encore 3 ans, ils proliféraient. Quand le corail meurt, ses habitants disparaissent avec lui. Pas beaucoup de poissons ? Non. Est-ce que tu as vu quelques poissons papillons ? Quelques-uns, je crois. Il y a un lien très étroit entre la santé des coraux et la santé des poissons. Ah oui, absolument. Pour les poissons, c'est leur immeuble d'habitation, avec toute leur nourriture. C'est comme si dans une grande ville, toi, tu vis dans une grande ville, eh bien, c'est comme si on coupait le courant. Où est-ce que les gens vont aller ? Eh bien, ils doivent déménager, ils doivent s'en aller. Pendant que John et les autres se battent pour protéger cette grande barrière, une nouvelle menace est apparue à quelques centaines de kilomètres d'ici. Un projet industriel gigantesque qui risque d'affaiblir encore un peu plus cet écosystème. Hey Donnie, leave it in the ground. On pourrait se croire à la kermesse, mais détrompez-vous. Malgré leur sourire, ces retraités australiens sont en train de bloquer un site industriel. Hello. Hello. Bonjour. Comment vous vous appelez ? What's your name ? Mary. How old are you ? Quel âge vous avez ? 77 ans. Hein, John ? Est-ce que vous pouvez m'expliquer pourquoi vous êtes ici ? Cette compagnie participe à un nouveau projet d'Adani. Construire la plus grande mine de charbon de l'hémisphère sud. Nous devons arrêter ça. La grande barrière de corail pourrait être endommagée par le va-et-vient des bateaux. Et si on perd ça, on perd la plus grande barrière de corail du monde. Ça peut paraître étonnant de voir des grands-parents comme vous bloquer un site, faire de l'action directe comme ça. Je fais ça car j'ai des petits-enfants et j'ai une responsabilité envers eux, envers tout le pays et envers les générations futures. Si ses grands-parents sont prêts à tout, c'est parce qu'ils luttent contre un projet complètement fou. La construction d'une des plus grosses mines de charbon de l'histoire. C'est aussi la raison pour laquelle nous sommes venus jusqu'ici. Les travaux viennent de commencer. Le charbon sortira bientôt de terre et une fois brûlé, il participera au réchauffement climatique. À la manœuvre, l'entreprise Adani, une multinationale basée en Inde. Chiffre d'affaires, 11 milliards d'euros. Cette mine sera gigantesque, l'équivalent de la superficie de Lyon, Nantes, Pau, Tours, Lille, Dijon et Bordeaux réunis. Production envisagée, 1 tonne de charbon par seconde. Ce minerai sera exporté vers l'Inde via le port d'Abbot Point, situé tout près de la Grande Barrière de Corail. Un port qui devra être agrandi pour permettre aux navires charbonniers de passer quotidiennement en plein milieu des récifs coralliens. Les coraux ne peuvent pas se défendre seuls, mais ils peuvent compter sur des Australiens qui ont choisi de résister. Et en particulier sur cette jeune femme. La science est formelle. Émilie. Nous vivons la 6e extinction de masse de notre planète. Ils sont censés agir au nom du peuple, mais en fait, ils agissent au nom des multinationales. Ces Australiens ne se contentent pas de manifester. Ils bloquent aussi les rues. Tous les moyens sont bons pour stopper le projet. On ne peut pas prendre soin de nos familles.
pourquoi ils ne comprennent pas ça? On est là pour protéger notre communauté. On est là au service du peuple. On a choisi la désobéissance civile car c'est notre dernière option. On a tout essayé, on n'a plus le temps de tergiverser. Les activistes préparent un coup d'éclat. Ils nous invitent à les rejoindre directement sur leur ligne de front. Ce camp, perdu au milieu du bush. Hello. Qu'est-ce que vous faites? Il y a d'énormes fourmis qui sortent de ma veste. Bienvenue en Australie. Ah oui, effectivement, elles sont énormes. Ouais, elles sont gigantesques. Elles mordent? Oui, en plus, elles font vraiment mal. Ils ont des morceaux de corail mort ici, c'est un peu le symbole de leur lutte contre l'industrie du charbon. Ça va, on a le droit de chanter? Ils sont une trentaine à vivre ici toute l'année. Parmi eux, un Français. Si, c'est ma famille. Rémi a tout quitté à Marseille pour venir combattre l'industrie minière. Pourquoi c'est une ligne de front ici? Parce que du coup, on est situé juste à côté de la voie ferrée, qui est une voie ferrée que pour ça, que pour les trains de charbon, qui mènent de la mine directement au port, et après ça part dans le monde entier. Des wagons à perte de vue. Ici, il n'y a jamais eu de train de voyageurs. Les rails qui transpercent la forêt ne sont destinés qu'au charbon. C'est la ligne privée des compagnies minières. Des trains de charbon comme celui-ci, qui traversent le bush en direction de l'océan, il y en a plusieurs fois par heure, 24 heures sur 24. Certains font plus de 2 km de long. Et si la mine d'Adani ouvre, il y en aura encore plus. Il faudra même faire une extension de la voie ferrée pour raccorder directement la nouvelle mine au reste du réseau. Encore plus de charbon. Pour Uncle, c'est insupportable. Il fait partie du peuple aborigène qui accueille les militants écologistes sur ces terres. Comme beaucoup d'autochtones, il est opposé à la construction de la mégamine. Tout ce qui les intéresse, c'est ça. L'argent? Oui. Sans se soucier des conséquences sur la vie d'énormément de gens. L'océan, la barrière de corail, l'air qu'on respire, la terre sur laquelle on marche, tout. Voilà ce qu'ils sont en train de ruiner. Et ils s'en foutent. Les militants sont prêts pour leur opération coup de poing. Ce sera demain matin. Ce soir, c'est un peu veillée d'armes sur le camp. On sent pas mal de tension. Nous, on va au lit parce que l'action commence très tôt demain matin. Il faut qu'on soit en forme. Le convoi se met en route. Je suis prêt. Qu'importe le risque. Toujours une partie d'excitation, un peu stress. Rémi garde le secret jusqu'au dernier moment. C'est ici. Ils vont bloquer la voie ferrée, en fait. J'ai ma main attachée à l'intérieur, donc c'est impossible pour la police de me sortir de là. Le baril est ultra lourd et s'ils essaient de le faire tourner, mon bras sera disloqué et ils n'ont pas le droit de faire ça. Qu'est-ce qui va se passer là? On va être arrêtés et envoyés en prison. On passera devant un tribunal et j'espère qu'on s'en sortira avec juste une amende. La police arrive au bout de quelques minutes. Tout le monde ici est en train de commettre une infraction. La police va arriver pour vous demander vos pièces d'identité. On est censé leur présenter, sinon c'est une infraction supplémentaire. On pensait être témoin de l'arrestation des activistes. Mais la vie est pleine de surprises. Hey,
Il commet une infraction. Les journalistes devraient le savoir. Ils sont en train de nous arrêter parce qu'on est dans une propriété privée. Yes. Vous êtes là en tant que journaliste? Oui, regardez, il y a deux caméras. Trois caméras. Eh bien, tous les caméramans se trouvent sur la voie de chemin de fer. Donc vous pouvez tous aller là-bas pour recevoir votre procès-verbal. Allez, tous les trois. Tout le monde sort de la zone. Vous aussi. Vous êtes en état d'arrestation. Et vous aussi. Toute notre équipe est arrêtée. À lui aussi, il est en état d'arrestation? Les policiers semblent nous viser spécifiquement, parce que nous sommes journalistes. Les mains dans le dos. Les militants, eux, ne sont pas embarqués. Du coup, on leur donne nos caméras pour qu'ils continuent à filmer. Ils ont embarqué l'équipe de tournage. Donc on n'a plus d'équipe de tournage. On a perdu les Frenchies. Ils sont arrivés d'un coup, ils ont attrapé Hugo, ils l'ont mis à l'arrière, là. La police nous emmène, direction le commissariat. Ces images sont tournées par Rémi, l'activiste marseillais qui a récupéré notre caméra. Pourquoi la police a-t-elle voulu nous empêcher de filmer? Pourquoi nous arrêter, nous, et pas les militants? Rémi et sa bande viennent nous récupérer à la sortie du commissariat. Bon, bah on sort de 7 heures de garde à vue. Officiellement, on a été arrêté parce qu'on était à proximité des rails, ce qui est interdit. On a eu beau leur expliquer qu'on était journaliste, qu'on faisait juste notre métier, ils n'ont rien voulu entendre. Et ils nous ont remis en liberté à certaines conditions, des conditions très étranges. C'est marqué ici. On n'a plus le droit de s'approcher à moins de 100 mètres de tous les sites qui appartiennent à Adani, que ce soit le port, les rails ou les terrains. Et on ne peut pas aller à moins de 20 km du futur site de la mégamine de charbon. Bon, l'objectif de cette arrestation, c'est de nous empêcher de bosser. Notre arrestation et ses clauses incroyables font l'effet d'une bombe en Australie. Des journalistes français ont été arrêtés pour violation de propriété. Pour avoir essayé de filmer les manifestations dans le site mini d'Adani. Hugo Clément, qu'est-ce que vous faisiez quand vous avez été arrêté? On était juste en train de filmer ce qui se passait. Et cette affaire fait bien plus de bruit que ce qu'on aurait pu imaginer. L'action de la police du Queensland fait les gros titres aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Allemagne et évidemment en France. Le journaliste de France 2, Hugo Clément, arrêté dans le Queensland. Même le Sénat australien débat de notre cas. J'ai vraiment été choquée que la police du Queensland ait arrêté un journaliste. Ça me dérange car cela donne l'impression que la police a été embauchée par Adani. Et maintenant, nous sommes en train de créer un incident diplomatique international. Tout cela n'a rien à voir avec la liberté de la presse, ni de près ni de loin. Autant que je sache, personne n'a confisqué les images de M. Clément. Alors qu'est-ce qui est vraiment important? Eh bien, ce sont nos emplois qui sont importants. Nous devons nous battre pour la protection des journalistes, des lanceurs d'alerte et pour notre communauté. Les soutiens font chaud au cœur, mais ne changent rien à notre problème. On ne peut plus approcher les sites miniers. Ça va être compliqué pour finir leur reportage. Ouais. Disons que... Je pense que vous aimez le challenge. Rémi a raison. Pas question de laisser tomber l'enquête. Nous trouverons bien un moyen de voir le port et les autres sites d'Adani. On roule vers le cœur minier de l'Australie. Il y a des mines de charbon un peu partout autour de nous. L'Australie est le premier exportateur mondial de charbon et compte bien le rester. Je suis stupéfait par ce paysage. Rongé par les machines, la terre rouge du bush devient noire. C'est le paradoxe de cette île continent. D'un côté, la grande barrière de corail, victime du réchauffement. De l'autre, l'empire du charbon, exporté vers l'Asie, brûlé pour faire de l'électricité et qui participe à la hausse des températures mondiales. Le meurtrier, juste à côté de sa victime. Voici la ville la plus proche de la future mégamine. Nous avons interdiction d'aller plus loin.
On est à Claremont, c'est la ville la plus proche de la future mine d'Adani et c'est la capitale des mineurs du Queensland. Alors ici, tout le monde ou presque dépend de cette industrie qui apporte de l'emploi et des millions de dollars. Les habitants affichent clairement la couleur, ils soutiennent le projet Adani et le secteur minier en général. Adani, c'est bien pour le pays ? Ça crée de l'emploi et on a besoin de charbon pour produire de l'énergie. Et la grande barrière de corail ? Ouais, ben quoi ? Eh ben elle meurt. Non, faut pas écouter les écolos. Vous bossez à la mine ? Non. Enfin oui, mais je veux pas parler. Ok. Vous êtes des écolos ? Non, on est journalistes. Ça va alors ? Vous n'aimez pas les écolos ? Non. Pourquoi ? Je les déteste. Parce que c'est pas des gens bien, putain. Ils essayent de foutre en l'air le pays. Eux, ils disent qu'ils essayent de le sauver. Non, ils le sauvent pas. Allez, dégagez, foutez le camp. Super ambiance. Adani a promis de créer 1500 emplois dans la région si sa mine voit le jour. Pas étonnant qu'à Clermont, le soutien au projet soit si massif. C'est quoi votre boulot ? Nous, on charge les trains à partir d'ici et on les envoie directement au port. C'est bien pour l'économie ? Ah oui. Tout le monde gagne de l'argent. Tout le monde gagne sa vie ici. C'est pour ça qu'on est là. On est quand même à 7 heures de route de chez nous. Hein. Hello, sir. Bonjour, monsieur. Enchanté. Je m'appelle Hugo. Hugo ? Yeah. So you're a guy from the... Vous êtes d'ici ? Ouais, ça fait 30 ans que je vis ici. Ok. Don't you think there is a... Vous ne pensez pas qu'il y a un lien entre les mines de charbon et la barrière de corail ? Mais elle va très bien, la barrière de corail. La moitié de la grande barrière est morte. La moitié morte ? Vous avez pas vu que les coraux étaient toujours magnifiques là-bas ? Allez voir, hein ! On y est allé. Il y a du corail en bonne santé, mais aussi beaucoup de zones mortes. Oui, mais ça se passe toujours comme ça. À chaque fois qu'on se prend un cyclone ou autre, vous vivez pas ici, moi je vis ici. Accordez-moi le bénéfice du doute. Ça fait 55 ans que je vis là. Mais c'est pas moi qui le dis. T'es influencé par les autres. Moi, je te dis ce que je vois. Donc vous ne croyez pas au changement climatique ? Ah non, je n'y crois pas. C'est comme cette histoire de glacier au pôle Nord. Il y a ceux qui s'agrandissent et ceux qui fondent. Non. Pas tous. Certains fondent, mais certains grossissent. Donc vous pensez que les scientifiques mentent ? Évidemment. Ok, thank you. Thank you, man. Bye. En l'écoutant, nous repensons à notre plongée dans ce cimetière. Là où les touristes ne vont pas. Ce désastre qu'ils ne veulent pas voir. Mais une Australienne a décidé de parler haut et fort. Je la retrouve sur son bateau. Lindsay Simpson est l'auteur d'un livre d'enquête accablant sur Adani et une amoureuse du milieu marin. Je m'appelle Lindsay Simpson et chaque jour, je vais sur ces récifs. Je veux me battre pour l'environnement et sauver cette grande barrière de corail. Si vous aviez Adani en face de vous, qu'est-ce que vous lui diriez ? Je lui dirais, vous, sur votre lit de mort, vous aurez le sang de la grande barrière de corail sur vos mains. Et nos hommes politiques, c'est pareil. Quand ils seront vieux et grisonnants, s'ils vivent assez longtemps, ils auront la mort de la grande barrière sur la conscience. Ce qui l'indigne le plus, c'est ce qu'elle a découvert sur le port d'Abbot Point. Pour l'agrandir, ils vont devoir creuser, draguer les fonds marins au pied de la grande barrière. Si Abbot Point devient le plus gros port de charbon du monde, qu'est-ce qui va se passer pour la grande barrière de corail ? Quand ils vont commencer à draguer pour le port ? En 2013 déjà, ils voulaient déverser 3 millions de mètres cubes de résidus sur la grande barrière de corail. Ça a fait un tollé, tout le monde a dit « Quoi ? Qu'est-ce que vous êtes en train de faire ?» Et maintenant, ils vont encore draguer pour agrandir le port. Ils disent qu'il y aura 600 bateaux chaque année en plus, sur ce qui est déjà une autoroute maritime extrêmement fréquentée. Nous sommes encore plus déterminés à aller voir ce port dont tout le monde nous parle. Pour le situer, c'est facile. Il suffit de suivre la voie de chemin de fer en direction de l'océan. Le port d'Abbot Point est dans cette direction-là à quelques kilomètres, mais la route qui y mène est une route privée qui appartient à Adani et qui est très surveillée, donc c'est impossible pour nous de l'emprunter. Rappelez-vous, la police nous interdit d'approcher à moins de 100 mètres
des terrains de la compagnie minière. Si nous ne respectons pas ces consignes, c'est la prison assurée. Du coup, on a tenté une autre solution. Louer un bateau pour accéder au port par la mer. Hello. Bonjour. Hi, I'm fine. Je suis le journaliste français qui a réservé le bateau. La police m'a téléphoné et m'a dit « On pense qu'ils sont avec les manifestants contre Adani. » Et moi, je veux pas que mon bateau ait quelque chose à voir avec ça. Je sais pas ce que vous alliez faire. Mais comment la police savait que c'était moi? Ils vous ont demandé mon nom? Ben oui, ils m'ont demandé qui était sur le document pour le bateau. Et vous avez donné mon nom? Ben oui. Et qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils m'ont dit que vous aviez été arrêté et que vous veniez de sortir de garde à vue. La police a donc été informée que nous comptions louer un bateau pour approcher du port. Et elle a intimidé le loueur par téléphone. Mais pourquoi dépenser tant d'énergie pour nous empêcher de faire des images? Qui a-t-il à cacher? Hello guys. Salut les gars, désolé de vous déranger. On aimerait aller en bateau jusqu'à Abbot Point. Est-ce que vous savez comment on peut faire? Oui, on veut louer un bateau pour filmer le port, pour faire un documentaire. Je connais personne ici qui acceptera de faire ça. Il nous fait signe de le suivre, loin des oreilles indiscrètes. Bon, j'imagine que ce que tu veux filmer, c'est... Adani. Ouais. Forcément. Alors tu ne vas pas être très bien reçu ici. Les gens dépendent de cette industrie. Vraiment, tu n'y arriveras pas. Fais-moi confiance. C'est un sujet sensible. C'est très sensible, oui. Bon, honnêtement, on est à deux doigts d'abandonner. Mais après quelques coups de fil, l'espoir revient. Bon, normalement c'est bon, on a trouvé une autre compagnie qui accepte de nous louer un bateau pour demain. C'est depuis un autre port, mais ça devrait le faire. Nous allons enfin découvrir à quoi ressemble le port de Charbon. Mais il faut croire que la police australienne est encore plus têtue que nous. On vient de recevoir un texto du loueur qui nous dit « J'ai eu un coup de téléphone des autorités du port, il y a une nouvelle zone d'exclusion autour d'Abbot Point. J'ai reçu un coup de fil de la police et je leur ai dit que je n'irai pas. » Décidément, ils veulent vraiment pas qu'on s'approche de cet endroit. Il nous a aussi envoyé la carte et les infos sur cette zone d'exclusion qui est mise en place entre aujourd'hui et dans 2 semaines, ce qui correspond à la date de notre départ d'Australie. Et elle est immense, la zone, elle fait 12 km sur 9, c'est la taille de Paris. Nous avons épuisé toutes nos options. Il faut se rendre à l'évidence. Le port d'Abbot Point restera à jamais un mystère. C'est en tout cas ce que je pensais, avant d'avoir une dernière idée. Bon, on n'a pas pu y aller par la terre, on n'a pas pu y aller par la mer non plus. Il restait qu'une seule solution. Elle est là. Descendre sous les 100 mètres parce qu'on doit rester à plus de 100 mètres des sites d'Adani, c'est ce que nous a dit la police. Oui, j'ai vu qu'on n'avait pas le droit, mais on va rester juste au-dessus pour être parfaitement en règle, ok? Merci. Vous vous appelez comment? Je m'appelle Alan Moss. Enchanté. Moi aussi. On est tombé sur le rebelle du coin. Bon, bah on est parti. Ravi de prendre la police à son propre jeu. Cette fois, ils ne peuvent plus nous arrêter. Nous longeons la côte. Au fond, on devine une jetée. C'est Abbot Point. Le port se dévoile sous nos yeux. Voici le monstre qu'on a tant voulu nous cacher. Et on comprend vite pourquoi. C'est énorme. Des montagnes de charbon, juste à côté de la grande barrière de corail. Abbot Point est une immense tache noire qui gâche la carte postale australienne. Les autorités préfèrent qu'on vous montre de jolis poissons,
c'est mieux pour le tourisme. Cette réalité, ils ne voulaient pas qu'on la filme. Ce port est gigantesque. Il peut stocker 2 millions de tonnes de charbon simultanément et il peut en exporter jusqu'à 50 millions de tonnes par an. Les immenses tapis qui transportent le charbon jusqu'aux bateaux stationnés au bout du quai peuvent emmener 12 000 tonnes de charbon par heure, soit plus de 3 tonnes par seconde. Si l'entreprise Adani va jusqu'au bout de son projet, si elle arrive à ouvrir sa mégamine de charbon, il faudra agrandir le terminal d'Abbot Point, qui deviendra alors le plus grand port de charbon du monde, à quelques dizaines de kilomètres seulement de la Grande Barrière de Corail. Les bateaux traverseront ces récifs par centaines. Le moindre accident sera un cataclysme écologique. Tout cela pour envoyer du charbon vers l'Inde, en dégageant des millions de tonnes de gaz à effet de serre. Il est temps d'obtenir des réponses auprès de l'entreprise Adani. Après de nombreuses demandes, le groupe Adani a enfin accepté de nous recevoir. C'est Lucas Down, le patron de Adani Australie, qui va répondre à nos questions. On a rendez-vous ici, dans leur bureau de Brisbane. Bonjour Lucas Down. Bonjour. Vous êtes déjà allé plonger sur la Grande Barrière de Corail ? Oui, je suis allé sur la Grande Barrière. Vous connaissez la situation de la Grande Barrière de Corail, qui est en train de mourir petit à petit à cause de la hausse des températures de l'eau. Je pense qu'il y a beaucoup de recherches au sujet de la santé du corail, et c'est toujours en cours. Mais pour mettre les choses en perspective, notre mine représente moins de 0,5% de toutes les mines de charbon du monde. Nous ne sommes pas la cause de tout ça, et nous ne représentons pas une menace pour la Grande Barrière de Corail. Mais vous participez au réchauffement du climat, vous participez au réchauffement de la température de l'eau. Il y a de nombreuses sources d'émissions de carbone dans nos économies. Il se trouve que les gens continuent de conduire des voitures. Il y a les centrales électriques. Et donc, en tant que citoyens du monde, nous avons tous une responsabilité à prendre. D'ailleurs, j'imagine que vous allez prendre l'avion pour rentrer en France. Donc vous comparez le fait de prendre un avion pour venir en Australie faire un reportage ou aller en vacances à vous qui êtes en train de construire une mine qui va produire des dizaines de millions de tonnes de charbon. Vous pensez que c'est comparable ? Ce que je veux dire, c'est qu'en fin de compte, le réchauffement climatique, c'est un défi planétaire. Global challenge, en français, défi planétaire. C'est le mot magique. C'est un peu la faute de tout le monde, mais pas de la sienne. Joli vu, hein ? Tout le monde n'a pas la même responsabilité. En construisant des mines de charbon, vous avez plus de responsabilité que quelqu'un qui prend sa voiture pour aller au travail. Once again, climate change is a global challenge. Global challenge. Global challenge. Once again, climate change is a global challenge. Global challenge. This is a global challenge. Global challenge. Merci. Ça ne sert à rien d'insister. On a compris. Selon lui, Adani n'est pas plus responsable du changement climatique que vous et moi. Et puis après tout, on n'est pas vraiment sûr que ce sont les activités humaines qui menacent les récifs coralliens. Sauf que ce n'est pas du tout l'avis des scientifiques. Nous sommes dans le Centre national d'études de la Grande Barrière, là où le corail est scruté sous toutes ses coutures. Je suis Neil, je suis biologiste et je travaille sur la Grande Barrière. Hello Neil. Hello, bonjour. Hi. Salut, enchanté. On est ici dans les archives du corail australien, où nous conservons le squelette calcaire. Là, c'est un des meilleurs exemples de ce que l'on peut découvrir sur un squelette calcaire. On l'a collecté en 2005. Et cette cicatrice-là, c'est 1998, la première vague de blanchissement mondial qui a touché la Grande Barrière de Corail. Ce que l'on voit sur cette pièce, c'est que les blanchissements sont de plus en plus fréquents et de plus en plus graves. Donc c'est nous qui causons ça. Clairement, le blanchissement est dû à l'augmentation de la température de l'océan. Et on a des preuves très claires que les océans se réchauffent à cause de l'augmentation des émissions de carbone dans l'atmosphère. Bienvenue dans le simulateur national de la mer. C'est magnifique. Pour ne pas laisser mourir les récifs, les Australiens ont décidé de se préparer au pire. Dans chaque bassin, un scénario catastrophe différent.
Comment le corail va-t-il réagir si on augmente la température d'un degré, de 2 degrés, ou plus encore? Un corail en bonne santé ressemble à ces types-là, beau et marron foncé, les polypes déployés qui cherchent à se nourrir. Ces coraux-là, en revanche, vous pouvez commencer à voir qu'une maladie s'est installée. Le tissu est en train de se retirer du squelette. Ce que vous voyez en blanc, c'est une partie morte. À quel type de scénario il faut s'attendre dans les prochaines années? Dans ce bassin, c'est d'après les prédictions, ce qu'on s'attend à voir en 2100. 2 degrés de plus qu'aujourd'hui. Et du coup, il se passe quoi pour ces coraux de l'an 2100? Ce que vous voyez, c'est qu'il y a des coraux qui ont survécu à 2 étés consécutifs. Ils ont blanchi, mais ils s'en sont sortis, et c'était totalement inattendu. Le but de cette expérience, c'est de comprendre jusqu'à quelle limite on peut pousser les coraux. On ne voulait pas se lancer dans le scénario de plus 3,5 degrés qui aurait tout tué. Et pourtant, plus 3,5 degrés dans l'eau, c'est ce qui pourrait arriver si nous ne changeons pas. Alors les scientifiques préparent un plan B. Sur quel sujet vous travaillez-vous? Dans ces bassins-là, ce sont des hybrides. Nous avons pris du sperme et des œufs de différentes espèces de corail et nous les avons mélangés pour créer ces hybrides d'espèces différentes. Et l'idée, c'est qu'on pourra peut-être utiliser ces hybrides pour repeupler la Grande Barrière. L'objectif, c'est de rendre le corail plus résistant à la hausse des températures, notamment? Oui, c'est ça. J'essaye d'identifier les coraux qui sont plus résistants. Vous avez déjà essayé de réimplanter ces hybrides sur la Grande Barrière de Corail? Oui, et nous avons vu que certains coraux survivaient à leur première implantation dans l'océan. Donc c'est vraiment important de rechercher différentes techniques qu'on pourrait un jour utiliser pour venir en aide à la Grande Barrière et réparer les dégâts. Laissons les bébés coraux hybrides prendre vie sur la Grande Barrière. Et retournons sur le bateau de John. Lui aussi veut partager un message d'espoir. Franchement, par endroit, il y a plus de corail vivant que ce que je craignais. J'étais vraiment ravi. Il y a des minuscules coraux violets qui apparaissent. C'est fabuleux. On a eu cet épisode de blanchissement il y a 3 ans. Mais maintenant, voilà qu'arrivent de nouveaux coraux. Et c'est ça le message qu'on doit envoyer au monde entier. Si on donne une chance aux récifs de se rétablir, les coraux s'en sortiront par eux-mêmes. Mais maintenant, il est temps de leur donner cette chance. Si la température n'augmente plus pendant quelques temps, la vie peut se réinstaller doucement. On peut encore la sauver, cette Grande Barrière. Ah, j'espère, j'y crois. On doit arrêter d'utiliser les énergies fossiles. Mais c'est quelque chose de très compliqué. C'est une guerre qu'on mène contre nous-mêmes. On doit régler les problèmes que nous causons nous-mêmes. C'est quoi votre message? Commencez à réfléchir et commencez à agir. Ok. Ok, et ben c'est parti. Et si nous changions notre rapport aux océans? Pourquoi ne pas les laisser respirer? Ils sont capables de se remettre de nos excès, et nous avons besoin d'eux pour survivre. Écoutons les appels à l'aide et les messages d'espoir venant du front. Ne laissons pas passer notre chance.